Comment faire un cri extrême? Je vais t'expliquer ça, je vais te donner ma méthode, je vais te faire une démonstration, on y va tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater au quotidien avec la passion du chant. Juste avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification de manière à recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Pareil, je fais de plus en plus de lives en ce moment et donc si tu cliques bien sur la petite cloche, tu seras averti et tu pourras me poser tes questions en direct, ce sera assez sympa. Alors pour faire un cri extrême, je vais déjà te montrer du coup ce qu'est un cri extrême. Pour le faire, je vais tourner un petit peu la tête. J'en ai pas du tout besoin pour faire ce cri, d'accord? Mais c'est tout simplement pour m'éloigner un petit peu du micro qui est fixé ici et éviter de te casser les oreilles. Alors, ce cri, ça pourrait donner ça. Donc, c'est un type de cri qui est utilisé pas mal dans le rock, rock progressif, différentes variantes de rock. Donc, c'est un son qui est très aigu, qui est assez puissant, assez fort. C'est pour ça que j'ai tourné un petit peu la tête. Et est-ce que ça me fait mal quand je fais ça? Pas du tout. Je ne ressens rien du tout ici, d'accord? Alors, une des premières consignes que je vais te donner pour réaliser ce type de cri, c'est que justement, tu ne dois rien ressentir ici. Si jamais ça te fait mal, si ça brûle, si ça gratte ou si tout d'un coup tu t'étouffes, c'est qu'il y a un souci, d'accord? Donc, ça vraiment, c'est à prendre en compte. Tu n'as pas besoin de te faire mal pour faire ce type de cri. Ensuite, la deuxième chose que je suis obligé de faire quand je fais ce type de cri, c'est que je suis obligé de retenir l'air. Je ne veux absolument pas qu'il y ait trop d'air qui sorte quand je fais ce cri. Pourquoi? Parce que pour faire ce cri, je suis obligé de rétrécir beaucoup de parties ici au-dessus de mon larynx. Donc, mon larynx va monter, ma gorge va se rétrécir, il ne va plus rester beaucoup de place dans mon conduit vocal et si j'envoyais trop d'air, par exemple si je poussais avec le ventre, j'enverrais beaucoup trop d'air et ça m'empêcherait de faire ce cri ou en tout cas, ça serait très douloureux. Donc vraiment, la deuxième règle, ça va être d'envoyer le moins d'air possible, voire de freiner l'air si tu le peux et comme ça, tu auras la garantie de pouvoir faire ce cri extrême confortablement. La troisième consigne que je vais te donner, ça va être de monter ton larynx. Alors comment on va faire ça? On a ici la pomme d'Adam au niveau de la gorge là et tu sens une petite bosse là, c'est le cartilage. Donc c'est chez les hommes, chez les femmes, c'est pareil, simplement c'est un petit peu plus grand chez les hommes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu sais, si tu avales ta salive, tu vas sentir que ce cartilage va monter en fait. Et ensuite, il va redescendre. On appelle ça le mouvement de baïonnette. Donc, ça veut dire qu'on est capable de monter. Pour faire ça, tu peux t'amuser par exemple à imaginer que tu vas parler comme un petit garçon ou une petite fille, en tout cas une voix rajeunie. Alors voilà, tu vois là, je rajeunis ma voix et donc ça va faire monter mon larynx. Maintenant, l'idéal, ça serait que tu arrives à le monter, voilà, comme je le fais là, juste en y pensant. Donc pour ça, il va falloir beaucoup t'entraîner pour t'entraîner à monter ton larynx. Une fois que ton larynx est monté, il va nous manquer encore un ingrédient, ça va être le twang. Il nous faut beaucoup de twang. Alors pour ça, on ne va pas ouvrir la bouche un grain comme ça, on va l'ouvrir plutôt comme ça. Je ne vais pas te réexpliquer tout le twang, T-W-A-N-G, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, tu pourras aller fouiller juste après. Mais il nous faut absolument du twang. Donc, on a dit, il ne faut pas que tu te fasses mal. Si tu ressens une douleur ou quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas la bonne pratique. Deuxième chose, il ne faut pas pousser trop d'air. Il faut vraiment réduire le débit d'air qui va sortir. Tu vas aussi monter ton larynx et utiliser vraiment pas mal de twang. La langue, tu vas la relever aussi, partie arrière de la langue va se relever pour participer à ce son. Je te refais une démonstration. Je me tourne encore du micro pour éviter de trop te casser les oreilles. C'est parti. Donc, je ne vais rien pousser ici. Je retiens, je monte mon larynx et je monte ma langue avec pas mal de twang. Ça donne ce type de son. Alors, ce type de son, dans un micro, je peux te dire que c'est très, très, très impressionnant.
Ça fait du barouf. Voilà, mais si tu es en groupe de rock, vraiment, c'est très impressionnant de faire ce son-là. Il y a Joe Cocker notamment qui en fait un dans la reprise des Beatles qu'il avait chanté à Woodstock. À un moment, il fait ce type de cri. Donc, tu pourras aller l'écouter si tu le souhaites. Et bah voilà, si tu veux faire un cri extrême, voici les conseils que je peux te donner pour ne pas te faire mal et faire à répétition ce type de cri. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des amis qui cherchent justement à faire ce type de cri, eh bien partage-leur la vidéo. Du coup, ça les aidera et ça leur évitera de se faire mal ou de se flinguer la voix. Et je t'avais promis un cadeau. Alors, je t'ai prévu un package avec des exercices, des vidéos, un guide, avec un fichier audio pour que tu puisses travailler ta voix. Alors, pour recevoir tout ça, c'est complètement offert à condition simplement voilà, que tu nous indiques où t'envoyer tout ce contenu. Tu trouveras dans la description un lien sur lequel tu pourras cliquer pour mettre ton prénom et ton adresse mail. Alors surtout, je t'en prie, mets une bonne adresse mail. Si tu mets une fausse adresse mail ou une adresse pour les pubs, eh bien, tu ne vas tout simplement pas recevoir tout ce contenu que je t'offre aujourd'hui. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ensuite, eh bien, tu vas recevoir dès aujourd'hui déjà ton premier cadeau et dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer plusieurs cadeaux comme ça à la suite. Pourquoi je ne t'envoie pas tout en même temps? Parce que sinon, tu ne vas peut-être pas avoir le temps de tout écouter, de tout tester. Donc voilà, laisse faire, tu vas recevoir plusieurs mails dans les jours qui viennent avec différents exercices, tu pourras tester tout ça. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé, est-ce que tu arrives à faire ce type de cri extrême, est-ce que tu as besoin de plus de conseils? Voilà, ça m'intéressera d'avoir vraiment ton retour. Pour ma part, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao!